Good morning, ladies and gentlemen. You're watching us live from the studios of Spectrum Television here in the nation's economic capital city, Douala. My name is Belinda Ojong, and tomorrow, like we all know, the world over will be celebrating women, the 12th edition for that matter. That's why we are creating this special program where we are going to discuss girls, we are going to discuss women, their difficulties, challenges, and achievements. Ladies and gentlemen, you won't regret spending your time with us because it's going to be an interesting one. It's going to be debatable, and reason why I'm not alone. I'm here with my co-host, Karine Zoumé. Hi, my dear. Bonjour, Belinda Ojong. Salut à tous. Vous l'avez compris, vous êtes bien en direct de STV pour le programme spécial consacré à la Journée internationale de la femme. Spécial programme 29e édition sur STV. Mesdames, messieurs, bienvenue encore. Nous sommes le vendredi 7 mars 2014, à quelques heures de la Journée internationale de la femme 2014, qui se célèbre sous le thème « Défis et réalisation des objectifs, du millénaire pour le développement pour les femmes et les filles ». Un thème et des sujets auxquels nous allons nous intéresser tout au long de ce programme qui va durer 2 heures, donc jusqu'à 12 heures. Et sur ce plateau, c'est un plateau de femmes. Donc entre nous, les femmes, nous allons discuter de plusieurs choses qui concernent la femme camerounaise et plusieurs autres sujets. Donc nous recevons Madame Maximilienne Ngombe, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC pour ceux qui connaissent plus cette abréviation-là, le REDA qui assure la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et Madame Ngombe, justement, va nous en dire davantage puisqu'elle est là. Bonjour, Madame. Bonjour, merci. Ça a toujours été un plaisir quand je suis invitée à la STV. Bonjour, mes chers collègues, si on peut s'appeler comme ça, oui. Et mes chères sœurs. J'espère que la journée s'annonce très bien. Je ne sais pas si je dois me présenter tout de suite ou bien… Non, je... en fait, on voudrait savoir. On profite de votre présentation pour ça, pour que vous nous parliez en quelques secondes. D'accord, le réseau des défenseurs des droits humains, que je ne présente plus d'ailleurs, parce que j'ose croire que je n'ai plus à prendre 2 minutes pour cela. C'est un réseau qui a été créé en Afrique centrale, dont je suis la directrice exécutive et le siège est à Douala. L'innovation, c'est qu'on vient de publier un livre sur les droits humains en Afrique centrale, la situation des défenseurs, et les perspectives démocratiques pour le 21e siècle. Et donc, il est en vente pour le moment. Il est au siège du REDAC à Bali, à 10 000 francs. Mais il faut seulement que les femmes sachent qu'il y a des femmes aussi qui sont confrontées à des difficultés par rapport à leur travail. Donc, le réseau est là pour... Vous l'avez dit, Belinda Ojong, Madame Maximilienne Ngombe qui sera avec nous. Elle n'est pas seule, nous avons 3 autres dames et j'introduis tout de suite Madame Mbouem-Marie Dine, déléguée départementale des affaires sociales pour le Vouri, députée suppléant, chef de village, plusieurs casquettes. Elle va essayer peut-être de nous dire comment elle essaye de gérer tout ça. Et en plus, elle est femme au foyer. Bonjour Madame et bienvenue sur STV. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être une fois de plus sur ce plateau de STV. Alors, comment vous gérez toutes ces casquettes au quotidien? Est-ce que c'est facile? On sait que le MINA, c'est chaque fois sur le terrain pour les familles en détresse, pour des problèmes, pour ci, pour ça, madame? Oui, en tant que femme et en tant qu'expert en management, mes expertises me permettent de gérer moi-même mon temps. J'essaie de tout concilier et ça marche. D'accord. Elle nous ira un peu plus pour qu'on ait un peu, nous les jeunes filles, le secret pour avancer et pour concilier tout ça au quotidien. On va continuer avec le docteur que Belinda Ojong va vous présenter. Elle va mieux vous présenter peut-être. Yes, and today's program, Karine, I would like to say that we are not just going to be talking about their work or what they do at their job sites. We are going to talk about motherhood, how they manage or how they cope with their homes and offices. Ladies and gentlemen, I'll now be introducing our English guest. First, FON Elizabeth, who has been a medical doctor for the past 28 years. She is a CEO of a counseling service, STATIO, and regional coordinator for the National Tuberculosis Control Program for Littoral. Good morning, madam, and you expatiate more on your personality. Thank you, Belinda. My name is Dr. FON Elizabeth, as she said. I'm the regional coordinator for the tuberculosis program for the Littoral. And of course, I'm so proud to be the CEO of the STATIO Foundation because we want to impact families. Now we are talking of the girl child, the woman, the career woman,
How do you mix all these roles and become successful? I think we are here to talk about that today. Okay, thank you very much. We are happy to have you. We are going to move on to a much younger guest, Ngole Quinta, a graduate from the University of Douala who specializes in safety management. Hi, Quinta. Hello, good morning to you all. Well, I'm so happy to be here. I'm so proud to be among you all here. I think you have much more to tell us in the course of the program. Like Karine earlier mentioned, this year's theme, the theme of this 12th edition of the Women's Day celebration focuses on challenges and achievements of the Millennium Development Goals for women and young girls. Right away, we are going to be having a report that focuses on this theme. Célébration de la Journée internationale de la femme au Cameroun. Pour commémorer cette 29e édition, les femmes se réunissent autour du thème national « Défis et réalisation des objectifs du millénaire pour le développement pour les femmes et les filles ». Un thème qui, à l'instar de ceux choisis les années précédentes, vise d'une part à renforcer le soutien aux droits de la femme en accentuant les efforts dans la lutte pour la réalisation de l'égalité entre les sexes, mais qui d'autre part souligne le rôle primordial que devra jouer la gente féminine dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Nous sommes bientôt à la date, à quelques mois de la date butoir des objectifs du millénaire pour le développement. Vous savez que c'était adopté par les dirigeants du monde, 189 pays, le Cameroun parmi aussi, pour faire reculer l'extrême pauvreté, la faim et la maladie. Il y avait donc 8 objectifs et nous sommes à quelques mois de la date butoir. Nous devons donc évaluer ce qui est déjà fait. Nous devons essayer de voir les entraves à la mise en œuvre et essayer d'élaborer des stratégies nouvelles pour que à l'élaboration de l'agenda post-2015 qu'on tienne compte des besoins spécifiques des femmes. Sur le plan international, par contre, les activités s'articulent autour du thème « L'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour tous et toutes ». Au Cameroun, on explique cette différence par le désir d'adapter ces slogans aux réalités du terroir. Au sein de l'Organisation des Nations Unies, nous avons la commission des Nations Unies sur la condition de la femme. Alors, la commission identifie donc un thème. Et nous, au niveau du Cameroun, comme nous sommes le Cameroun membre de l'Organisation des Nations Unies, le mécanisme institutionnel de promotion de la femme et de la famille au Cameroun, c'est le MIPROF, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, pendant le thème, essaie de l'adapter à notre environnement. Il s'agit donc cette année, non seulement de donner les mêmes chances aux filles et aux garçons afin de réaliser leur potentiel, mais plus loin, le véritable enjeu réside dans la promotion des droits des femmes et des filles en rapport avec les OMD, entendez, Objectifs du millénaire pour le développement. Welcome back. Like I earlier announced, if you're just joining us, you are on to Spectrum Television and we are broadcasting live from Douala, a special program to talk about the difficulties women and young girls face in this 21st century. That was a special package produced by the news desk of Spectrum Television. Karine, how do you appreciate that? Voilà, Leila a essayé, Leila Renganzo qui signe ce reportage, a essayé de revenir sur les thèmes d'il y a quelques années. On remarque que le focus a toujours été mis sur les violences ou bien le développement. Mais maintenant, nous sommes à la veille de l'attente des objectifs du millénaire pour le développement. La veille, donc, on avait mis pour 2015 au départ, ça veut dire que nous sommes à la veille. Et on voudrait savoir, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver, pourquoi pas, dans divers secteurs d'activité. On voudrait demander à chaque invité, ici, Madame Bouem, peut-être dites-nous comment est-ce que vous définissez ce thème. Comment est-ce que c'est vrai que c'est un thème qui n'est pas déjà facile à retenir pour toutes les femmes. Et maintenant, comment est-ce que vous réussissez à le définir, défi et réalisation des objectifs du millénaire pour le développement pour les femmes et les filles. Défi et réalisation des objectifs du millénaire pour le développement pour les femmes et les filles. Je comprends dans ce thème qu'il s'agit pour nous cette année d'apprécier l'évaluation des 8 objectifs du millénaire qui avaient été mis en place en 2000 au sommet des Nations Unies. Est-ce que ces 8 objectifs, du moins quelques objectifs, ont été atteints? C'est de ça qu'il s'agit, de faire ce bilan, de faire cette évaluation et de voir. Est-ce que
nous allons vraiment, comme vous le dites, atteindre ces objectifs comme prévu en 2015. Mais s'il fallait faire un commentaire, je dirais que l'atteinte de ces objectifs est incertaine en 2015. Mais néanmoins, à l'évaluation de 2012, il y a quand même quelques progrès qui ont été faits pour l'objectif 1, qui est la réduction de la pauvreté, peut-être l'objectif 3, et qui est la promotion de l'égalité. De l'égalité et l'autonomisation. Bon. Okay. Et maintenant, les autres objectifs, tout ça est à voir. Mais est-ce que nous allons les atteindre en 2015? Je crois que ça fera l'objet du débat. Yes, looking around the female sex, whether young girl or an adult, a woman, there are so many things surrounding us. Madam Fon, what can you tell us about feminine challenges? Thank you, Belinda. Yeah, yesterday I was at St. Pierre's Bonaberry, and I asked a group of career women, what is the theme for this year? Do you know that they didn't know? Yes, ma'am. Yes, they didn't know. So we are starting from there. The women don't even know. How are they going to go about getting these objectives? Okay. How do we measure them? Okay. The stakeholders have put them out. It's very good. Equality of sex. How does the man on the street understand it? Are we bringing a fight into the families? The husband says, my wife is now equal to me. I am the head of the family. Is she equal to me now? We need to educate the population, the men, the women, the girl children, the wives. Have we done that? How can we measure the impact? Okay. Belinda, I think we have a lot of work to do. Of course. Peut-être rebondir avec vous, Madame Maximilienne Gombe. Comment, quel commentaire faites-vous d'abord sur le plan de la forme et puis dans le contenu de ce thème? Merci. Je pense que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, j'entends par là qu'il y a des défis qui nous attendent, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on devrait faire, on ne l'a pas fait, et peut-être qu'il y a eu des réalisations. Mais ce que je constate quand même sur le thème, c'est que personnellement, tel qu'il est énoncé là, il pose un problème. Il pose déjà un problème parce qu'on met d'abord la femme et la jeune fille. Avant de devenir femme, on est jeune fille. Yes, donc j'aurais souhaité, franchement, qu'on dise peut-être quel bilan de 2000 en 2000, mi-parcours, bilan mi-parcours, et quel défi pour la fille, la jeune fille et pour la femme. Okay. Donc, je propose que les prochaines fois, que des femmes quand même qui sont à la charge de faire, de mettre en branle un thème comme ça, n'est-ce pas, consultent des experts sur ce genre de questionnement pour permettre à ce que, effectivement, sur le terrain, les femmes comprennent. Je vais terminer pour dire que j'ai été dans une société de la place, je ne vais pas faire sa publicité ici, le 5, sur le thème, mais il y avait 300 femmes assises et je vous assure, aucune ne savait qu'il y avait depuis 2000, qu'il existait depuis 2008 objectifs. Sur les 8 objectifs du millénaire pour le développement. Vous vous rendez compte, et même qu'elles avaient un rôle à jouer, parce qu'il faut savoir qu'elles ont un rôle à jouer. Donc, jeune fille pour moi d'abord, avant d'être femme. Donc, je pense que moi, c'est comme ça que j'aborderai tout au long du débat. Vous êtes toutes d'accord, donc beaucoup de femmes ne connaissent pas le thème, peut-être la longueur, peut-être la sensibilisation. Mais ce qui est sûr et certain, Belinda, c'est que les femmes connaissent les couleurs de pagne, le prix du pagne, et c'est justement peut-être le sujet sur lequel le sujet qu'on va aborder actuellement. Le prix du pain ou alors la couleur du pain, c'est sûr que même la grand-mère au village, si elle ne le sait pas encore, elle le saura même après le 8 mars. Yes, and the reason why women should not focus their problems to those surrounding them, say to the men, I think they have much and much work to do themselves. We should now talk to Quinta what you believe or what you think are some of the challenges, like some of the challenges you face as a young girl. Well, I think from what Madame Fon said, that was really true because in our society today, most women are just so excited about the Women's Day. The day, when the day reaches, they're just so excited over buying and the phone. They don't even care to know what the thing is all about. Like,
I was in company with some few ladies, and I was like, what's happening? They were like, just about the phone. They say that day is just about them going out and sleeping out and stuff like that. So I'm sure you're going to set a good example to others. Of course, yes. For living here. Okay, let's go to the next item. On va donc parler du pain du 8 mars, parce que c'est vrai qu'on parle du thème, on va aussi parler du pain, et on va sûrement voir que beaucoup de femmes en savent beaucoup aussi sur le sujet. Si c'est le pain. Oui, on va aller regarder dans ce reportage le pain du 8 mars 2014. Les bières. Wednesday fabric are manufactured annually in commemoration of the event. During this period, the most striking activity is a mad rush for the fabric. This fabric produced each year is relatively expensive, ranging from 7 to 10,000 francs and above on the last days before 8 March proper. Now, what raises eyebrows is what do women really do with the Women's Day fabric of previous years? Par rapport aux anciens pains, as concerns old Women's Day fabrics, I use them as my daily wears. I don't keep them specially. Habit de tous les jours. C'est pas gardé. Je les porte tout le temps. C'est gardé pour la semaine, pour l'année prochaine. I keep it for Women's Day week for the next year. Each day from the 1st to the 8th of March, I wear the old fabrics, and the day of the event, I wear the new one. À partir du jour de la fête, je vais m'habiller en 8 mars. The competition of buying this fabric is very high amongst women. Homes have been broken, families separated because of the Women's Day fabric, which holds little or no value after the 8th of March. What? I don't finish. After Women's Day, I use my own fabric in the kitchen, or I wear it to my business place. In all, women should understand that this day is not all about the fabric and wild partying, but a day to reflect on the role of women in our society. On va continuer avec notre reportage. Là, nous allons dans la région du Sud-Ouest, précisément à Kumba, toujours pour parler du pain du 8 mars. For this year's Women's Day celebration, these are the two major colors available in the markets. As March 8 draws closer, the mad rush to get this fabric increases as every shop in the Kumba main market could be seen crowded with women, likewise men who intend keeping their female relations happy. We are just being caretaking men who want to see their wives enjoy the day and feel happy like other wives and know that they have husbands who are beside them. It's a present I have decided to give to her. I know that she likes it just like another woman, and she wants to be happy, and when she has it, she'll be happy, and I'll also be happy. According to shop owners, sales have been moderate despite complaints over this year's poor quality fabrication. The quality this time is not as good as the ones that we have been having, but I think that we have no choice as women. Whatever thing they've given us, the fabric for this year's celebration, we are going in for it. What attracts more concern is that many women remain nonchalant over the price and quality in order not to be indifferent come March 8. It's difficult, but it's something that comes once a year. So if you can buy a dress for 50,000, 100,000, then this for 75, I think it's not so much of a problem for women to buy. If they actually know why they are buying it, they only want to celebrate on that day. But I just want to buy it and wear it and interact with other women to come to the field there, and you are in a different attire when the other women are wearing the uniform. You feel somehow inferior. Yes, not really inferior, but out of place. Surprisingly, there exist women who find this Women's Day fever uncalled for. One thing you should know is that you are not obliged to buy in the Women's Day. You are not forced to wear this one. You can wear the ones of the years before. This year's theme, Inspiring Change, aims at celebrating women's social, political and economic achievements while focusing on areas that require further amendments. Okay, Nadia.
No, not therefore. We never buy uniform. Welcome back, ladies and gentlemen. A number was posted down, and if you have to send us SMSs, you can look at the numbers on your screens. You can send SMSs or even make calls where we can react, and we have special responses coupled to the guests we have in the studio. Looking at the past report, we have women complaining of poor quality. Meantime, we have women complaining of no money, there's no finance, but we have men who are encouraging their women to go for it. And one other lady said that if you don't have money to get the Women's Day fabric for this year, why not look at what you have in the past years? Mafoin, how do you appreciate this? I think the fabric is a symbol that should accompany the Millennium Goals. But I think they've deviated from it. Now we put more emphasis on the fabric and less emphasis on what it represents. Yes, that's what I think. And then if a husband can offer the fabric to the wife, it's a sign of love. It's just a symbol. As I say, some will love it, some will not love it. But let us concentrate on what it represents in the life of the woman. Okay. Than the quality of the fabric, than whether you can afford it or not. How does your life change after you've worn the fabric? Mm-hmm. That's a good one. We should be able to answer that question, yes. Et parlant justement du bagne, on remarque que c'est des accessoires, mais les femmes ont un attachement particulier avec cet accessoire-là. Donc le bagne change au fur et à mesure que le temps passe, le bagne crée des problèmes dans les familles. Pourtant, on avait dit une femme peut porter son bagne pendant 5 ans, mais chaque année, il y a de nouveaux bagnes, Madame Ngombe. Je crois que c'est de ça qu'elle parlait tout à l'heure. Il faut éduquer les femmes, il faut éduquer les jeunes filles, surtout. Parce que le pagne est significatif aussi de notre façon de ne pas être correctement éduqué. Parce que nous avons quand même des choses importantes. Et je ne veux pas dire que le pagne n'est pas important. Hein. Il ne faut pas que celle qui aime le pagne me gorge. Mais je dis, il y a des choses importantes. Par exemple, la réduction de la pauvreté, ou bien on va y arriver tout à l'heure, qui sont plus importantes. Et je suis sûre que si vous... S'il vous plaît, une minute. Mm-hmm. Donc, je pense que si j'avais aussi une proposition à faire, là, c'est de faire à ce qu'un pagne soit un pagne pour tout le monde, pour toutes les années. Et puis le coût aussi, parce que vous avez parlé seulement de la fabrication, mais vous ne parlez pas de coût. Parce qu'on dit toujours que la pauvreté est là, Excuse me, not to cut you short. There's something I've noticed. I'm not sure it's all the countries that celebrate Women's Day. I'm not sure all the countries fabricate loins or these fabrics for their women. I'm sure we can also blame this on those producing this fabric. What do you think, Quinta? Well, as concerning the materials, I don't really know much about it, but for me, I think what's important is the role the women play on that particular day. Like women's smartphone, like I was saying, like women's, we have unlimited ones. You see, I think somebody would say that we should blame those who produce the pines, the fabrics every year. Well, don't blame Sikam. Mm-hmm. They are there to make their business. Okay. If they produce and you buy, they will produce. So you have to think for yourself, why am I buying this? Okay. This particular fabric, why am I buying this? And then, of course, people like Women's Affairs should be able to go out and educate the women. As you wear this wrapper, this is what it signifies. After that, your life should change for the better. Your relationship with your husband, with your children, should change for the better. I think we cannot even fault Sikam. They are just doing business. Okay. Yes. Okay. The opportunity is there, and they make the cloth. Okay, we are now going to... On va tout de suite aborder les thèmes, les objectifs du millénaire pour le développement. On a sélectionné quelques-uns qui touchent la majorité, selon nous, la majorité de la population. On va peut-être laisser le premier thème, parce que Madame Bohm nous a dit tout à l'heure, c'est un objectif atteint. Elle est minace dans le vouri. Elle est mieux placée, peut-être, pour nous dire avec les chiffres. On va aborder toujours avec elle, Madame Bohm. On a parlé d'assurer l'éducation primaire pour tous. Est-ce qu'on a l'impression que c'est déjà assez équilibré, madame? Je crois que cet objectif, la mise en œuvre de cet objectif a été atteinte. Parce que, comme nous le savons tous et comme nous le constatons, sur le plan de la scolarisation, il y a davantage de filles scolarisées
au Cameroun. Yeah. Okay. À l'exception peut-être de l'extrême nord, où le taux reste encore relativement réduit. Mais pour dans l'ensemble de nos régions, la jeune fille est suffisamment prise en compte dans l'éducation. Okay. Mais la crainte est que c'est davantage des filles qui sont scolarisées. Okay. Comme a dit quelqu'un tout à l'heure, quel sera le sort des garçons que nous voyons beaucoup plus dans la rue. Mm-hmm. Mais peut-être que vont devenir ces garçons? So you see there's a slight shift from girls, from young girls to young boys. Yeah. Peut-être c'est une expression parce qu'on est en ville, parce que moi j'ai eu des statistiques dernièrement qui disaient que au fur et à mesure qu'on avance dans le niveau scolaire, les filles désistent et prennent d'autres responsabilités. Madame Maximilienne, je ne sais pas si vous avez eu la même information. Oui. Ça veut dire que de la maternelle au secondaire, peut-être jusqu'en troisième, les filles sont tellement engagées, tellement introduites dans l'éducation, mais à un certain niveau, on remarque qu'elles fuient peut-être pour se marier, peut-être que, madame. Oui. D'abord parce que dans notre, il faut le dire aussi clairement, dans notre propre maison, la fille est considérée comme quelqu'un qui va partir, donc il faut investir sur le garçon. Yeah. Il faut le dire, ça c'est un fait. So they think. On peut pas. Donc je pense que par rapport à cela, si le gouvernement dit que l'objectif est la mise en œuvre de cet objectif est atteint, peut-être que au niveau primaire, non, il n'y a pas partiellement, au niveau primaire, yes. Juste pour avoir le peut-être le